Et bonsoir, bonsoir à tous. Donc on est parti pour découvrir la démo de Terranil, qui avait été annoncée par Devolver il y a déjà quelques temps. Et une démo vient de sortir aujourd'hui. Pourquoi se tester ça? Parce que la donne, du coup, qui est du coup un jeu de gestion où il faut replanter la terre. Alors, on va du coup direct passer au jeu. Si du coup tout se passe bien. Logiquement, ça devrait aller. Alors, est-ce qu'on peut... Oh là. Est-ce qu'on peut avoir de la résolution? On va y arriver. Alors, voilà. C'est déjà mieux. Alors, on va y arriver. Doucement mais sûrement. Hertz, parfait. Voilà. Max zoom level. Redus, non, on va mettre à fond. Et on est parti. On est parti pour du chill. Et de la bonne ambiance. Allons sauver la Terre. Donc bien sûr un jeu post-apo, mais le but, c'est bien sûr après le cataclysme, de faire en sorte que la Terre soit de nouveau vivable. De verdir la planète et ensuite de repartir et de laisser faire comme si rien ne s'était passé. Bienvenue à Terranil. Votre objectif est de reverdir ces terres désolées en la couvrant de l'horizon de verre. Mais avant de commencer, essayez de vous bouger. Du coup, juste la souris. Vers le coin de l'écran, bien sûr, pour se déplacer. Voilà, on connaît, on est en terrain inconnu, tout va bien. Et on peut aussi, du coup, déplacer avec le bouton du milieu. Voilà, et séance ZQST, mais incroyable! Et on peut zoomer, dézoomer, voilà, des contrôles très simples. On n'est pas sur du très difficile. Ok, toute réclamation des terres désolées doivent commencer avec une turbine. Donc, une petite éolienne qu'on va placer, donc plutôt sur... Terre dure. Allez, on va directement commencer en haut. C'est parti. Maintenant que vous avez de l'énergie, vous pouvez nettoyer le sol. Essayez de poser 4 ramoneurs de toxines aussi loin de la turbine que possible. Ok. Donc on peut en mettre une là. Oh oui. On va en mettre une ici. Une par là. Est-ce qu'on en tape une par là? Comme ça, on nettoie du coup toute la partie qui est là. Et ça nous fait du coup un gros coin nettoyé avec cette partie-là ensuite après. Alors, un sol nettoyé permet d'avoir un emplacement parfait pour planter du verre. Placez 3 irrigateurs sur du sol nettoyé. Et vous pouvez bien sûr les déplacer avec la touche R. Bah parfait. Oh là là, quel emplacement de qualité. Et voilà. Et on replante du verre. Avec une magnifique direction artistique. Et le bruit du vent. Quel plaisir. Ah forcément, hein, c'est mieux que ça, hein. Ça vend déjà plus du rêve. Hein. Est-ce qu'on peut tenter de en mettre un comme ça? Si du coup ça va nous embêter au final pour cette partie-là. Et on va juste faire un gros carré. Hein. Parce que là on peut partir du coup directement comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est bien en fait. On est bien comme ça. Ça, toute la zone est irriguée. Bien joué! Vous avez besoin d'augmenter. Merde, j'ai pas lu. Et visiblement, d'augmenter à 25%. Donc, il nous faut une nouvelle éolienne. Donc,
Donc bien sûr, hein, voilà, chaque bâtiment nous coûte des feuilles qui sont ici. Ah merde! Bah c'est pas drôle ça. C'est cocasse. Plus 7. Ça va être le nombre de feux qu'on va récupérer, plus 69. Ah, quel dommage. On va rester là-dessus du coup. On va pas viser le 100%, tant pis. Et on tente du coup une ici. Donc on a réussi à atteindre les 25%. Tyrannil. C'est la fin de la démo, merci d'avoir joué, à plus. Non, j'espère pas. Merci. J'ai la petite introduction. Ok, des nouveaux bâtiments. Oula. Le climat actuel. Rigid temperature, humidity, for rewards. Ok, donc il faut qu'on atteigne cette quantité d'humidité et de température. Donc la température est le long de l'axe horizontal. L'humidité, pardon. Et la température le long de l'axe vertical. Quel plaisir! Quel sound design de qualité. Ah, est-ce qu'on a intérêt à en remettre un ici? J'ai des doutes. On va plutôt partir par là, hein. On peut remettre une éolienne par ici, par exemple. Et on part du coup comme ça. Ah oui, mais il faut faire gaffe au niveau du sol aussi. Finalement, c'est pas si intéressant parce que même si on arrive à nettoyer... Ah oui, on peut aussi le tourner avec la molette. Ce qu'il nous faudrait finalement... faudrait qu'on arrive à en rajouter là, quoi, pour que ce soit intéressant. C'est vrai, ouais. Là, c'est la rivière. C'est la rivière asséchée. Qu'est-ce qu'on a? Water pump. Ah, donc ça, ça va permettre de nettoyer... des zones dégueulasses. Et rajouter de l'eau. Mais oui, faisons ça. Et ça va permettre du coup d'humidifier direct. Oh là là, incroyable! Quel sauvetage. On a pu remettre de l'eau. J'ai pas fait gaffe si on avait augmenté l'humidité. J'ai pas l'impression que c'est bougé. On a un calcifieur. Pour créer du coup, donc c'est pour calcifier. Oh putain, c'est pas mal. Calcifier du coup les éléments minéraux présents dans l'eau et pour créer de la roche tout autour pour ensuite du coup faire des nouvelles choses. Ah. Donc on a un excavateur qui nous permet de créer de nouveau lit de rivière, mais par contre du coup on détruit toute la terre qu'il y a autour et on la rend du coup invivable. C'est pas cool. Pas cool du tout. Et du coup, restons sur notre petite plantation, là. Ah oui, parce qu'on peut la faire aussi en largeur, comme ça. Ah bah ouais, bah là, attends, là on était à 135, là. C'est ça qu'il faut viser. Or 136, parfait. Voilà, si ça c'est pas beau. Et du coup, il faudrait qu'on arrive à en installer un peu plus. C'est là ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est... Ah non, c'est trop loin. C'est trop loin. Quelle vie. Et coucou Fredo, j'ai un petit problème dans la plantation. Pourquoi ça pousse pas? Non, je voulais juste remettre un là. Mais il faut quand même que ce soit connecté, quoi. Que ce soit sympa. Ah, mais c'est que ça, c'est trop loin. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut utiliser aussi un calcificateur. Comme ça, on transforme en roche le tour. On pose une éolienne.
parce qu'on est malin, et ensuite paf, petite pompe à eau et c'est parti. Quel plaisir. Très très sympa, hein. La musique est cool, c'est chill. Le sound design est très très bien et pour l'instant on n'a pas encore d'animaux. Il y a des animaux aussi plus tard. Par contre j'ai zoomé, je voulais pas zoomer. Parce qu'après elle se contenterait pas. Alors quelque chose comme ça. À 142 là. Et du coup ici on essaie de tabler à quelque chose 107. 108 ici. On arrive à replanter un peu. C'est bien, mais il faut qu'on arrive à faire plus. Là, faut qu'on arrive à augmenter l'eau là. Je sais pas à quoi il sert ce bouton. Ah oui, c'est pour... Ah, intéressant. On a un bouton du coup de demake. Pour retravailler notre dernière action. On va en mettre là-bas du coup. Alors jusqu'où on peut la mettre? On va essayer au max. Là, ça me semble pas mal. Coucou Mathieu, ça manque de parking et de building. Mais non, regarde, c'est bien le vert. C'est bon le vert, un peu de vert. En ce monde gris éterne. Bon, toi, il faut qu'on en remette une ici. On combatte avec ça, ici, voilà. On rajoute de l'eau. On augmente un peu l'humidité. Et il nous en faudra ici. Donc pour ça, il faut qu'on calcifie, par là, quoi. Hop. Et chlouk. Et du coup, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien, Mathieu? Verdure, t'as quand même plus à manger. Non, mais une petite salade, en vrai. Une petite salade iceberg. Vous dites ça, mais hein, les salades iceberg, c'est quand même vachement bon. Bien fraîche, là, avec des chaleurs comme ça. C'est ça qu'il vous faut. Alors on va en mettre là-bas. On va en mettre une là. Ok, plutôt là. Vous allez voir, là on va tout reverdir, ça va être incroyable. Ouais, ça monte, hein. Ah oui, du coup, en mettant des machines... Incroyable, le jeu est quand même bien pensé. En mettant des machines, on augmente notre température. Parce que forcément, ça crée de l'effet de serre. Quel jeu bien pensé. Ah, c'est pas... Merde. On va le mettre comme ça, du coup. Le boulot s'est passé tranquillou. Bon, tant mieux. Oh, oh la petit drop là. Visiblement il aime pas trop quand on bouffe comme ça. Bon, on va tabler sur du 150 ici. Et du coup ouais, on voit aussi la modification qu'on fait en rajoutant tout ça. Là on part plus à droite. Mais sauf que j'aurais bien continué pour avoir le bonus. Mais là on est pas bon là. Là on rajoute juste de l'humidité. Compliqué, hein. Parce qu'en plus on a plus de River Blade, donc il faudrait qu'on en refasse. Tu sais, il faudrait qu'on détruise tout. Ah genre là. Parfait. Paf. Le River Blade. Et on peut pas le détruire après? Genre il reste là? Quel dommage. Ah mais merde. Bah oui. Parce que là, il n'y a pas la place. Faut qu'on recalcifie. Pour refaire des éoliennes. Je peux pas? Je fais trop d'éoliennes? Parce qu'elle est trop proche, celle-là? C'est ça le souci? Mais c'est trop con, comment je fais moi maintenant?
alors on tente l'arnaque. Bah, on peut plus en faire. On a le droit qu'à un seul. Merde. Ah si, non, c'est bon. Bah alors, fais me casser les pieds. Pourquoi j'avais pas le droit? Allez, go. On teste, on découvre. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Oh, quel dommage. Bah, c'est bizarre, on peut pas en reprendre un. Le loup. On peut plus rien refaire, là. Bah. Ah putain, on a plus de verre. Mais c'est la merde. On a perdu. Et oui, place cette feuille. Quelle erreur, ah oui, bah c'est à cause de lui. C'est lui qui nous a coûté trop cher. Et lui nous a coûté trop cher alors que ça sert à rien. Quelle vie. Bon, attendez, nous devons faire un retour sur investissement. Car oui, c'est pas parce qu'on essaie de sauver la Terre que... y a pas moyen de... de moyenner tout ça. J'ai plus de pognon. Forme de feuille. Évidemment, c'est un peu le dollar vert. Hop. Si le dollar est déjà vert, mais... Alors, on va verdir tout ça, ne vous inquiétez pas, ça vient se passer. Hop. On va taper sur le 178, là. Bravo! Non, on peut rien détruire. Vous avez réussi à reverdir ces terres des... Oh, il y a des oiseaux, il y a des oies. Passez les oies sauvages. Avec de la vie... de la vie botanique. Oh là là. Maintenant, essayez d'augmenter la biodiversité des écosystèmes en restaurant 3 biomes. Press the tab below to access à the 2. On va avoir des nouveaux bâtiments avec des biomes. Oh là là, ça devient incroyable. Ça y est. Ça complexifie, ça devient bien. Ça devient mieux, bien sûr. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Putain, hey. Ça devient cool, là, hein. Ça se complexifie un peu, mais ça s'annonce bien. Alors, est-ce qu'on retenterait pas de... Alors là, c'est pas très intéressant. Mais maintenant, ça me trigger, parce que j'adore faire des trucs symétriques. Du coup, quand il y a des trous comme ça... je suis pas bien. Je me sens pas bien. Ce que j'aurais bien aimé faire, c'est limite, du coup, taper en fait... À la limite faire un truc comme ça là. Comme ça, ouais. Par contre, ça c'est quand même sacrément. Ça c'est vraiment utilisé en dernier cours, hein, ce truc là. Vu que ça te bouffe des parcelles de terrain. Et tu peux rien faire en fait. Non, j'en veux, ça me fait un Picasso. des petits trous, toujours les petits trous. Et du coup, là, on calcifie. Vous allez voir. Ouais, le calcificateur, il est là. On calcifie là. Et là, voilà. Voilà. Et là, du coup, j'ai pas assez de... Bah, Nick, bah, mange tes morts. On va quand même verdir un peu là-bas. Ça sentait un... Voilà. Tac. J'ai vraiment fait de la merde, j'ai essayé de me dire en mode allez vas-y on va construire des trucs pour avoir plus de verre. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Y'a rien qui va. Mais j'aimerais bien le bonus. Je veux le bonus, je veux le rewards. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah mais putain, mais ça on aurait dû faire ça dès le début. Ça réduit le coût d'absolument tout. C'est un petit peu le futur. De le mettre par là, du coup. Et voilà. Et du coup, tout devient moins cher.
Ouais, ça les améliore, ça change le design. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pets Wetland can be built on a navigator near water. Donc on peut le faire ici. Et c'est tout. Bon, on peut tenter de le faire là, on perd moins 2, mais c'est pas bien grave. On essaie de faire des wetlands dans ce coin-là. Oh là là. Oh, c'est beau. On a quoi? Oh, du beehive. Oh là là, mais oui. Allez, oh oui. Oh, let's go. Les petites abeilles. Oh là là, c'est incroyable. Écoutez-moi ça. Oh, ce plaisir. Je vais en mettre partout maintenant. C'est bon. On a nos petites abeilles. Un arbotérum. Ash to create forest. On a burn building husk. Je pense qu'il faut trouver... Ça doit être du coup un emplacement de décor. On n'a pas encore. Building Husk, ouais, c'est ça. On n'a pas de ça, on n'en a pas trouvé encore. On n'en a pas dans la zone. On peut pas en faire. On est dans la merde du coup. Dessicateur. Ah, ça permet de tout cramer. Et ça permet de cramer les bâtiments, donc ça permet de refaire des biomes. Putain, mais c'est bien pensé! Allowing for the lightning and fire. The lightning of fire. Ah oui, donc du coup, si on veut faire un feu, on peut faire un feu par là. Faut du coup faire ça. Et ensuite. Non, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de soleil. Ah oui, ça a besoin de... Eh oui, ça a besoin de ça. Pour que ça brûle bien. Allez, go! Le feu! Ça s'étend beaucoup, par contre, ça s'arrête au bout d'un moment? Ok, c'était pas prévu que ça aille aussi loin. Oh là là, oh il y a la petite cascade et les petits champis. Oh là là. Bon finalement on a maîtrisé le départ de feu. Assassin, oui, mais regarde, c'était pour le bien commun. Et il nous en manque un peu là. Est-ce que ça c'est suffisant? Non, pas encore. Merde. Ah mais dis pas qu'il faudrait que je recrame des trucs là. C'est terrible. Terrible. J'ai bien envie quand même de remettre voilà une... C'est si sympathique. Alors par contre il faudrait qu'on refasse un irrigateur, voilà. Par là pour qu'on puisse ensuite mettre des wetlands ici. C'est en tout seul tant qu'il y a du carbu. C'est pas ça. Bah alors, c'est incroyable, non? Non mais je pensais vraiment qu'il allait genre juste cramer une zone définie, mais non non, ça s'étend vraiment partout quoi. C'est le feu. C'est du feu quoi. C'est du vrai feu. Est-ce que ça marche là? Ah non, il y a pas de... Eh non non, ça marche pas comme ça. Par contre, ça vaut le coup finalement de garder ouais, les bâtiments, parce que de toute manière, on peut marabouter comme ça du wetland. Même si ça s'étend pas aussi bien que j'aurais aimé. Un peu dommage. Ah là, ça va être bien là. Là, ça va être sympa, non? Avant que parce qu'il est en hauteur, il voudra pas. Ah, il voudra pas parce qu'il est en hauteur. Ça brûle. Alors, ça brûle certes, mais ça brûle tout. Ah voilà, regardez.
On va pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Vous allez voir. Alors, rassurez-vous, ça va être fou bientôt. Mais j'aimerais bien faire la jonction, attendez, moi ce que je veux faire c'est... Oh, mais on est bientôt bon niveau humidité. C'est incroyable. Parce que ouais, là il faut la décaler vers la droite. Parce que moi ce que j'aimerais faire c'est... Putain, froidi là. Attendez, c'est faire une jonction là entre les deux là. Là c'est pas mal. Et l'eau, ça humidifie. Regardez. Mais mon humidité, elle bouge pas. Alors qu'on a rajouté tellement d'eau. Oh, et on a même fait une petite cascade. C'est incroyable. Bon, il nous manque toujours du Wetlands. Le Wetlands, c'est ici. Moins 1, 0. Toc. On va le mettre là. C'est tellement bien, de la terraformation. C'est cool. Par contre, du coup, il faut encore que je crame des trucs. Ça, c'est moins rigolo. Par contre, on va peut-être refaire des abeilles, parce que l'avantage des abeilles... C'est que ça nous permet de récupérer beaucoup de feuilles d'un coup. Et ça c'est plutôt... Ah oui, non mais d'accord, allez, bah c'est parti. Ouais, non, c'est pas... Ouais, non. Là, ça vaut le coup, par contre. Et coucou, Danny. Comment ça va? Ça, c'est bien, ça. On va remettre là aussi, là. Est-ce qu'on cramerait pas ici? Est-ce que ça vous semble pas un excellent endroit pour tout brûler? Moi, je pense que si. Moi, je pense que là, c'est le parfait endroit pour dire, finalement, tant pis. Ici, finalement, c'est pas si bien que ça. Un peu de destruction, c'est pas si mal. Hein, c'est bon. On lui a sauvé le cul à Mère Nature, maintenant, ça suffit. Par contre, est-ce que ça va brûler là? Non, c'est bon, voilà, ça se calme là-bas, et ici, ça va se calmer aussi. Voilà, c'est bon. J'ai eu peur, hein, parce que s'il y avait une jonction ici, je pense que je perdais tout, là. Ça allait être terrible ce qui allait se passer. Mais rassurez-vous, regardez. Regardez comme tout est maîtrisé. La nature reprend ses droits. Ah, ça va bien, Danny. C'est cool, c'est cool. Si t'as passé une bonne journée. Maintenant, on a toujours des petits problèmes par contre. Ça va être les Wetlands qui vont être problématiques. Peut-être tenter de marabouter un coin par là, non? Non. Peut-être par là, du coup. Ah oui, mais non, c'est vrai, je suis con. Il faut qu'on fasse ça, d'abord. Il faut qu'on redonne le... Qu'on redonne les... De la potabilité au sol. Et on arrive dedans, hein. Manger, mais pas la pyromanie. Eh bien, j'espère que tu vas manger du verre. Et bon appétit. 45. Ah bah là, c'est pas à côté d'un cours d'eau, donc ça va nous servir à rien. Pas évident, les wetlands. Hein. Ça va, je l'ai pas fait trop loin. Parce que j'aurais bien aimé différencier les biomes, mais je pense que ça va être compliqué en fait. On va arriver à un moment en fait où finalement on pourra pas le faire. Irrigon.
C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce qui est en train de se passer. On va tenter par là. Pensons vert. Ah putain, on peut pas là parce qu'il est en haut, merde. Merde. C'est pas bon. Donc là, à mon avis, ça va être bon, là. Il faudra qu'on fasse ça. J'ai pas la place. J'ai pas la place. J'ai pas la place pour rendre ce sol habitable. Ah, ça sert à rien. Est-ce qu'on ferait pas finalement un petit tracé en mode ouais puis merde. Et limite comme ça là. Petit tracé en mode Balek. Et petit tracé là comme ça là. Ça doit rajouter beaucoup d'eau partout. En cas de problème, créons de l'eau. Ah, ça coule pas. Ça... ça coule pas. Et voilà. Et là, du coup, on peut faire le wetlands ici. Et voilà. Et voilà. On a nos trois biomes. Ça commence à avoir de la gueule. Même s'il y a des petits carrés partout, c'est terrible. Avec les biodiversités restaurées, vous pouvez commencer le process de nettoyage. Vous avez besoin de construire un avion à partir de matériaux recyclés. Oh là là, ce jeu durable et responsable. Nanana, vous avez accès à des technologies de manipulation du temps avancées. Mais à cool pas. Mais à cool maintenant. Oh là là, des matériaux. Oh là là. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors. On a un vaisseau. Construction du vaisseau avec des matériaux recyclés. C'est-à-dire d'autres structures. Peut-être construit. Tiens, sur une riverbank. Ok. Mais d'abord, j'aimerais bien essayer d'avoir plus de... Je suis un peu dans la merde, en fait. Pas pour vous inquiéter, mais je suis un peu dans la dèche. C'est un peu la merde, en fait, si vous me comprenez. J'ai pas vraiment de... J'ai pas de bon plan, là. Ouais, c'est moins 29. Mais ça vaut pas le coup, hein. Ça vaut pas le coup de faire ça, là. Faudrait plus de sol... Y'a une grenouille! On a entendu une grenouille. Ah mais oui, y'a une petite grenouille! Il y a des petites grenouilles. C'est bon. Oh là là! Et les petits fans! Ça y est. Nature is healing. Oh là là, putain, il y a du monde là. Ah bravo, voilà, il n'y a plus de chasseurs. Hein. Ils sont où les chasseurs pour réguler? Hein? Voilà ce qui se passe. Hein. Ils nous avaient prévenus. Il n'y a pas des petits lapins? Juste des biches, des abeilles et des grenouilles. Bon, par contre, on est un peu dans la merde. Mais juste un peu. Donc, rassurez-vous. Pas inquiétez-vous, peut-être. Mais non. C'est la merde. C'est sacrément la merde.
Change d'humidité, je m'en fous de ça. Augmenter la température ambiante. Mais non mais d'accord, mais là j'ai un souci plus important. La loose zone. Danger zone. Voilà, c'est un peu la merde. Ouais. Je pense que j'ai eu les yeux trop gros, plus gros que le ventre. Parce qu'on n'a pas vraiment d'indication lorsque, en fait, ouais, on est arrivé dans un panel où c'est la merde. C'est mal pris. C'est mal pris. On l'a tout niqué. C'est pas... C'est un ours ? Ah oui, c'est un ours. Petit, petit ours brun. Il y a des ours. On t'a vu. C'est pas de te cacher, on sait que t'es là. Il est là, là. Il est là. On le voit. Il va perdre dans un jeu de chill, ouais. On arrive à perdre, quoi. J'ai pas fait gaffe à ma gestion, du coup j'ai creusé tous ces trucs alors que ça servait à rien. J'ai mal géré. J'ai mal géré le pouvoir des feuilles. Ah là là, quelle vie. Quelle vie, quelle vie. Parce que ça permet de nettoyer le sol. Qui en fait il nous en faudrait. C'est dans cette zone là, sauf qu'il n'y a pas de cailloux là. On s'est full baiser. Ah quelle vie. Pas comme ça. C'est là, ouais, je vois pas vraiment de... Je vois pas de plan où on est bien, en fait. Il y a pas vraiment de... Attendez, on va y aller. On va faire un avion et en fait, tout va bien se passer à partir de maintenant. Vous allez voir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut recycler des bâtiments? Comment on recycle? Oh là là! Est-ce que ça nous permet de récupérer des... Vous allez voir. En fait, c'est maintenant. Alors là, on récupère 12... 13%. Ah ouais. Ah ouais, 15%. Oh, let's go, vas-y. C'est où? C'était où le 15? Il était là. Vous allez voir. Regardez, on va récupérer des feuilles. Allô? Elles sont où, mes feuilles? Non, Nindox. Quoi? Hein? Et mes feuilles? Et mes feuilles, elles sont où? Mes feuilles, elles sont où? Pourquoi j'ai plus de feuilles? Bon bah écoutez, je pense que... Je pense qu'on va... On va arrêter cette tentative de repopulation. Cette terre... Non mais cette terre était... Non mais en fait, le... Voilà, je vais vous expliquer. C'est... Cette terre était perdue, malheureusement. Donc en fait, ce continent-là, malheureusement, il n'était pas fiable. Donc on n'a pas pu... On n'a pas pu faire quelque chose de bien sur cette terre-là. Et, malheureusement, c'était trop bouffé. Hein. Et il n'y a plus rien à faire. Désolé. Désolé, j'ai essayé. On a fait ce qu'on pouvait, mais malheureusement, ce continent-là a été perdu. Donc on va juste changer de continent, et on va tester quelque chose de bien. Du coup, des bisous YouTube. À la prochaine.